Ça y est, c'est gagné. Qu'est-ce que ça fait de gagner son premier match en arrivant en Mazur là? Non, mais c'est un match, franchement, c'est un match important. Dans le sens où, même si on perd là, on a encore un BO3 derrière. C'est un match pour moi ouais, vraiment important. Quoi. Ça t'évite de sortir sur un double BO1 qui te donne des regrets pendant 3 mois. Et voilà. Bah, ce serait bien de terminer 6-1 et encore un BO1. Bon, si on revient sur le match, on peut dire que vous avez écrasé au début, il me semble qu'il y avait 8-0, quelque chose comme ça. Ensuite, vous basculez, ils n'avaient que 3 rounds au changement de side. Là, on vous a senti un peu ralenti. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le match, comment ça s'est déroulé dans vos têtes? 16-2. Ouais. Au final, ils ont mis 2 rounds. Ils ont fait un bon time out, ça leur a permis de remettre un round derrière. Et on a réussi à parler et à se remettre dedans. Au final, ouais, ils ont mis debout. Et en terreau, c'est pas qu'on n'a pas trouvé la solution, c'est qu'il y a eu, en tout cas de mon côté en A, on a fait plein de petites erreurs avec Adi. Et on aurait dû finir le match plus vite. Mais c'est bien, on n'a pas trop forcé, on a quand même bien géré la monnaie, etc. Ils nous ont cassé le cycle 2 fois de suite. Donc au final, mettre 3 rounds quand t'as le cycle cassé à chaque fois, ça reste difficile, voilà, faut le dire. Mais ouais, au final, c'est ça, hein, le counter-strike, c'est ça, c'est quand tu prends le GR, enfin, quand tu prends 0.5, bah, c'est un gun rune et un rune armé, on va dire. Et derrière, quand on te casse le cycle, bah, ça te remet à 1400. Et derrière, t'es en un écho sec. Et derrière, c'est un mini achat avec Tech9 et Petit Kepler. Donc en fait, on a été double écho 2 fois dans le side. Un petit peu d'ailleurs, enfin, l'image de notre side c'était, c'est-à-dire qu'on a cassé le cycle, c'est 8-0, 8-1, boum, on remet un rune derrière. Ils retombent de nouveau dans un round où ils ont pratiquement rien. Et voilà, on a cassé le cycle 2 fois. Au final, les 2 sides se ressemblaient fort pour un gros départ des 2 équipes, on dit, avec le pistol et le premier round armé. Voilà. On ne sait pas, on est resté en. On a géré la game dans le sens où on ne s'est pas précipité pour s'assurer à la fin du side d'avoir beaucoup d'argent. Par exemple, même le round qu'on met, si on perdait, on était quand même full achat sur le dernier round, ce qui n'a pas forcément été le cas beaucoup de fois dans le jeu. Bon, voilà. Du coup, bah... Qu'est-ce que ça vous fait là? Vous avez brisé la malédiction, ça y est, vous avez gagné le premier match en arrivant en Mazur. C'est gagné un match en poule, moi, ça m'est arrivé 2 fois et pourtant je suis pas sorti des poules, donc voilà. Là, c'est Virtus là. Elle est pas brisée du tout. Quand on est pas là, vraiment, il n'y a rien de brisé. Okay. Tout peut arriver, il reste Virtus en BO1 et après il reste Nico Liquid en BO3. Voilà, le dernier Mazur, on a perdu Renegade. Encore là pour sortir. Pour moi, d'être sorti. Bon, en tout cas, c'est un premier bon résultat. Moi, je pense qu'on va souhaiter bon retour à l'hôtel, là, du coup. Merci les gars. Merci.